Hi everyone, welcome to our Houdini Hive dedicated to education. My name is Bruno Ebe and I'm a production trainer at SideFX. This session is going to be a little special. We will have our conversation in French. This is the first time for us that we are doing this in a different language than English, but we wanted to offer the possibility to our guests to express themselves in their own language. So we hope you will appreciate it. Donc bonjour, je m'appelle Bruno, je travaille en tant que production trainer à SideFX. Et aujourd'hui, pour cette Houdini Hive qui est dédiée aux formations, nous avons deux acteurs de la scène de Montréal. Nous avons Folk CFX et l'école NAD. Voilà. Alors, je vais vous laisser vous présenter, peut-être commencer. Louis-Philippe, tu peux commencer peut-être? Ouais, salut tout le monde. Moi, c'est Louis-Philippe Clavet. Je suis superviseur CG chez Folks VFX au bureau de Montréal. Moi, je suis Robin Tremblay. Puis, je suis professeur à l'École NAD, UQAC, depuis presque 30 ans. Ça va faire 30 ans en juillet prochain. OK. Puis, donc, j'enseigne différentes formations, principalement le photoréalisme, les environnements, mais je suis aussi en charge des projets de fin, des fins de bac. Donc, souvent, je réalise avec des étudiants des projets en toi, faire synthèse d'images. On va commencer avec Folks. Louis-Philippe, pour vous, quels sont, quand vous recrutez au niveau des écoles, quels sont les critères sur lesquels vous basez, quels sont aussi les plus gros problèmes que vous rencontrez lors du recrutement des étudiants? Je pense que les candidats vont arriver, vont appliquer chez Folks de façon différente. Tu sais, il y en a qui vont appliquer carrément sur le site Internet. Ils vont aller avec la méthode un peu plus officielle, traditionnelle. Puis là, c'est vraiment le démo qui fait toute la différence. Tu sais, c'est avec le démo qu'on va essayer de comprendre qui est la personne, qu'est-ce qu'elle peut amener à l'équipe, puis à savoir si elle peut bien fitter avec l'équipe. Puis ça va vraiment changer par département. La chimie qu'il y a dans le département, on essaie de voir des habiletés techniques et artistiques qui devraient matcher avec notre équipe. Puis sinon, une autre route, ça devrait être par la recommandation. Fait que soit qu'on connaît déjà la personne, elle a travaillé avec une personne du studio ou par un professeur, par exemple, elle nous est recommandée. Fait que là, dans ce temps-là, on se base plus un peu sur la personnalité puis les soft skills de la personne pour l'amener en entrevue. Puis je pense que dans les deux cas, l'important, c'est de décrocher l'entrevue. Après ça, c'est là qu'on vérifie, voir si on va vraiment cliquer avec la personne. Mais la première étape, c'est ça, c'est soit par recommandation ou par le démo, on essaie de capter l'attention, arriver en entrevue. Puis après ça, le reste du processus, ben ça va changer, ça peut évoluer, mais c'est vraiment la première étape. D'accord. Et pour capter cette attention, donc principalement soit des recommandations, soit du bouche à oreille ou des. Ben, c'est sûr que, admettons, le CV, l'expérience précédente, ça peut amener quelque chose, mais juste des dates et des compagnies dans un LinkedIn ou un CV, c'est pas suffisant pour décrocher un emploi. Ce qu'on veut, c'est comprendre une personne, comprendre une personnalité, puis ça, c'est souvent plus facile par une recommandation ou avec un démo. Puis le démo, dans le fond, c'est la preuve que les dates et les compagnies dans le CV ont eu une valeur, puis ça l'a vraiment transformé la personne, puis ça l'a amené à être qui elle est aujourd'hui. Mais malgré tout ça, on peut être une personne qui fait d'excellentes images, mais si on sent l'entrevue qu'il n'y a pas la chimie, que ça ne clique pas, ben peut-être que c'est juste une personne qui va aller travailler dans une autre compagnie qui va être super heureuse ailleurs, mais qui n'a pas réussi à se connecter avec nous. Tu sais. Okay. Et Robin, est-ce que vous avez ça aussi au niveau de la formation? Est-ce que vous travaillez un peu ou vous prévenez les étudiants un peu que ça va être attendu de leur part une fois sur le marché du travail? Évidemment, c'est le point donc que Philippe a soulevé au niveau de l'attitude, de la personnalité. C'est quand même une part vraiment importante. C'est sûr, bon, mes étudiants, ils n'ont pas d'expérience préalable sur des productions commercial réel, rarement, mais en général, ils n'en ont pas. Les seules choses qu'ils vont produire, c'est dans leur démo.
c'est sûr que bon, à travers le cheminement du bac avec dans notre école, on a différentes pièces qui sont potentiellement des pièces qui peuvent avoir de la valeur pour un portfolio de présentation pour un emploi. Mais il reste que la portion personnalité, ça veut dire comment tu t'intègres, parce que c'est un travail de groupe. Donc, les compagnies recherchent des joueurs d'équipe. Tu vas avoir des gens qui sont extrêmement talentueux, mais qui sont pas des joueurs d'équipe. Ça fonctionne pas bien. Donc, c'est sûr que nous, on leur en parle de ça. Puis, ils sont aussi exposés à différents chargés de cours qui viennent de l'industrie, qui vont leur parler de ces prérequis-là. Oui, le talent est important, mais l'attitude et la personnalité, c'est une grosse, grosse composante qui est vraiment importante aussi. D'accord. Et du coup, dans les projets sur lesquels ils travaillent, est-ce que ça reflète un peu ça? Est-ce qu'il y a beaucoup de projets de groupe? Est-ce que c'est équilibré aussi avec les projets un peu personnels pour développer leur bande démo? Ou comment vous les guidez vers ça? Je dirais qu'on a la première année, c'est plus des projets individuels, mais dès la deuxième année, on encourage. On ne force pas, mais on encourage à faire des projets de groupe. Puis plus ça avance dans le cheminement, plus les groupes deviennent plus volumineux, plus grands. On a aussi, quand on arrive dans les derniers projets, si on appelle le projet de synthèse, on a souvent des groupes qui sont assez gros, qui sont assez imposants. Puis on crée une structure, donc on donne des responsabilités différentes aux gens, outre leur talent dans la création, dans le domaine de la synthèse d'image, par des gens de rôle de lead ou de direction artistique ou, en fin de compte, de coordination, selon ce que les gens veulent faire. Parce que mais par contre, j'ai des gens qui insistent, qui veulent faire des projets tout seuls. Il y en a qui réussissent très bien, mais en général, c'est pas la norme. Les gens s'intègrent dans des équipes parce que nous, on encourage vraiment à le faire. On ne le force pas, mais on l'encourage. Je trouve ça très cool, je rebondis là-dessus, mais qu'au début du parcours, ce soit un peu plus individuel, puis que ça va bien encourager que ce soit en équipe. Je trouve ça génial, puis surtout pour les gens qui veulent aller dans l'industrie un peu plus formelle des effets visuels, d'animation ou des jeux vidéo, le travail d'équipe va être inévitable. C'est sûr que c'est pas tout le monde qui passe par une école plutôt traditionnelle, on va dire, puis qui va finir dans ces industries-là. Ils peuvent être artistes indépendants, mais de favoriser le travail d'équipe, ça va définitivement représenter ce qu'ils vont vivre, puis de s'en rendre compte tôt avant la fin du parcours académique, mais ça donne juste une dernière confirmation que la personne est vraiment en train de s'aligner dans une carrière qui va matcher avec elle, qu'elle va pouvoir apprécier. T'sais. Fait que ça, je trouve ça cool que ce soit encouragé en fin de parcours. Mais je peux juste peut-être faire le suivi sur ce que tu as dit, en faisant ton suivi sur le mien, mais la majorité des gens aspirent à travailler sur des productions. Ils veulent tous travailler sur les prochains Star Wars, les prochains Harry Potter. C'est souvent ce qui détermine donc le type de projet. Puis les projets viennent souvent de films qu'ils ont aimés. Puis ces films-là, c'est clair que c'est pas des projets, c'est des projets de grandes équipes. Puis, mais j'ai quand même des gens qui ont des profils qui veulent eux aller à la maîtrise et au doctorat. Ces gens-là insistent pour travailler sur leurs choses à eux. Fait que mais je dirais, à la base, les gens qui arrivent des formations traditionnelles, je dirais plus traditionnelles d'art ou de graphistes, sont plus souvent des gens individualistes. Puis il faut un peu casser ce pattern-là de travailler de façon de travailler tout seul, parce que moi, c'est une chose que je répète souvent, c'est que travailler en équipe, c'est plus que la somme des parties. Ensemble, quand on a un groupe, on va produire de loin une qualité meilleure, parce que on peut focusser sur les forces des gens, puis on peut aussi se rendre compte des faiblesses. Ça nous permet comme groupe d'avancer plus, puis quand tu travailles avec des gens, tu vois d'autres perspectives, d'autres façons de penser que t'aurais pas eu nécessairement. Ce qui fait que toute cette expérience-là va vraiment te procurer, un meilleur résultat, un meilleur produit. Le produit étant les films d'animation ou les effets qui vont créer dans leur projet. Et alors justement, donc ils sont passés à l'école, ils ont fait leur formation en plusieurs années. Une fois qu'ils ont leur diplôme en main, quelles sont selon vous les étapes après ce diplôme? Ils continuent leur vie, donc là ils sont pas tout seuls, mais bon, ils vont chercher leur propre mentor, ils vont
ils vont pouvoir se développer par eux-mêmes. Quelles sont, selon vous, les étapes par lesquelles ils doivent obligatoirement passer? Quelles sont celles que vous recommanderiez et celles qu'au contraire, vous suggéreriez d'éviter pour éviter de s'engouffrer dans une impasse? Je pense que ça commence avant même la graduation. Je pense que c'est important de penser à ce qui va se passer après la formation, mais avant qu'elle se termine. Tu parlais de trouver un mentor, ça je trouve ça génial. Ça peut être un professeur à l'école, ça peut être un chargé de cours qui vient de l'industrie. Mais de trouver quelqu'un de confiance qui peut coacher tout au long, ça fait vraiment une différence dans la qualité des projets que tu vas faire, surtout dans la dernière année où les projets que tu vas amener dans ton démo. Fait que ça, trouver un mentor, je trouve ça vraiment essentiel. Puis d'autres trucs qui peuvent être commencés en amont, mais qui vont continuer après, participer à des événements, que ce soit des user groups, comme les Houdini Hive, comme on a en ce moment. Si vous avez la chance d'aller dans des conférences comme SIGGRAPH, FMX, des trucs du genre, de juste comprendre c'est quoi la vie des vrais praticiens, puis de connecter, ça c'est vraiment, vraiment cool. Fait que mentor, puis les événements de la communauté, je trouve que c'est deux éléments importants qui peuvent être commencés avant, qu'on espère continuer après. Justement, au niveau du mentorat, c'est quelque chose qu'on a intégré à l'école depuis quelques années. C'est qu'on a un cours de mentorat qui, en fait, c'est les gens se trouvent un expert dans l'industrie qui les appuie principalement dans le cheminement de leur dernier projet, le projet de synthèse. Fait qu'on a ils vont chercher des mentors en modeling, en simulation, en grooming. Souvent, c'est des domaines où on a beaucoup moins de, en tant qu'école, on a beaucoup moins de développer de profondeur. Parce que un bac, ça reste 90 crédits. C'est un bac qui est général où on montre, en gros, c'est quoi la formulation en 3D. On peut se spécialiser un peu, mais c'est pas long, là. Pour performer dans un domaine, ça prend quand même du temps. Fait qu'on a quand même, là, cette portion-là des mentors qui permettent d'aller chercher, un peu plus, justement, d'un contact direct avec quelqu'un qui a une expérience pertinente, plus pointue. Puis ici, on parle de baccalauréat québécois, qui est l'équivalent d'une licence là, pour le reste de l'audience francophone qui veut comparer, mais ça reste quand même une formation de 3 ans. Oui. Un autre truc que je viens de penser qui a un bon lien avec ce qu'on disait auparavant, qu'est-ce qu'on fait après avoir gradué? Bien, on reste en contact avec les coéquipiers qu'on a eus. Parce que les coéquipiers qu'on a eus dans notre projet synthèse, dans les derniers projets qu'on a faits, ça va être des collègues dans le futur. Peut-être qu'on va avoir la chance de travailler avec eux immédiatement, mais peut-être que ça va être dans 6 mois, 1 an, 2 ans. Mais c'est des gens qui nous connaissent et qui nous ont vus évoluer, puis qui peuvent après ça être la recommandation qui nous donne notre prochaine opportunité d'emploi. C'est malheureux, mais c'est pas tout le monde qui se trouve un emploi immédiatement après la graduation. Des fois, ils vont avoir un emploi pour une durée déterminée. Certains ont la chance d'avoir des noms déterminés, puis ils trouvent des compagnies dans lesquelles ils sont très bien, mais des fois, en début de parcours, c'est vraiment la chasse au prochain contrat. Fait que la communauté que les gens ont tissé avec leurs coéquipiers, ça, je trouve ça essentiel, puis ça va être payant. Fait que d'avoir créé une atmosphère positive dans ces projets-là, c'est payant dans un futur proche pour les gradués. Ça fait partie de justement le même genre de choses qu'on parle aux étudiants de travailler en équipe, c'est d'être, vous commencez en fait vos entrevues, par rapport, parce que c'est pas des entrevues, mais le contact, comment vous allez être perçu par vos coéquipiers, ça a énormément de valeur, de pouvoir, parce que justement les recommandations, je sais pas c'est quoi, j'ai pas de statistiques là-dessus, mais les recommandations qui viennent d'anciens collègues, c'est vraiment très fort. Parce que il y a pas, un professeur voit une facette de l'étudiant, mais un collègue, il voit vraiment plus l'ensemble de comment la personne se comporte. Fait que ce genre de on dit aux gens, comportez-vous bien, ça commence à l'école, c'est pas juste à l'entrevue quand l'école est finie. C'est ce que Louis-Philippe disait ici, c'est vraiment important, cette notion-là de bien s'intégrer, d'être un joueur d'équipe. Puis après, Bruno, tu demandais les choses à ne pas faire. Je sais pas s'il y a vraiment des choses à ne pas faire. En tout cas, c'est un peu faire son propre parcours, là. Il faut trouver quelque chose dans lequel on est confortable, mais peut-être c'est de pas trop attendre. Je pense que des fois,
une formation comme ça de 3 ans, 4 ans ou 5 ans, même selon les programmes, ça peut être très drainant. Puis les gens, ils veulent prendre du temps off, du temps de repos après la formation. Je pense quand même que ça vaut la peine de, tu sais, de continuer de rebondir sur la graduation puis d'aller rapidement ou assez tôt dans le milieu du travail. Mais j'ai pas. C'est juste que le marché étant très compétitif en ce moment, quand on attend, ben on se mélange avec la prochaine batch de gradués. Ça peut devenir difficile d'émerger après ça. Donc, je pense que ça vaut quand même la peine de s'essayer dès la graduation. Ce serait peut-être mon petit conseil à éviter si ça serait trop d'attendre. Ben, en effet, si on attend trop longtemps, la technologie change vite. On travaille justement au Dini. Ça change beaucoup. Fait que déjà d'une session à l'autre, moi je l'enseigne, puis je me rencontre mes gens de troisième à qui j'enseigne, mes gens il y a des choses que mes gens de cinquième connaissent pas, parce que c'est nouveau. Donc c'est quand même, il y a aussi dans le faire comprendre aux étudiants, il faut que vous appreniez à apprendre par vous-même, parce que ce que vous avez appris, c'est pas statique. Il faut devenir vraiment des autodidactes. C'est sûr, c'est pas le cas de beaucoup de gens, mais faut s'informer, faut voir comment ça évolue parce que ça change beaucoup. Puis moi je trouve ça vraiment super excitant qu'un logiciel évolue aussi rapidement parce qu'il y a toujours des nouvelles choses à essayer. Il y a des gens qui ont tendance à dire, moi j'ai appris mes outils puis je veux rester avec, mais c'est pas comme ça que tu étais compétitif. Alors justement, on parle là des capacités techniques là un petit peu plus. Est-ce qu'il y a des au niveau de l'embauche, est-ce qu'il y a des là sur les prochaines années, on va dire juste 1, 2, 5 ans, est-ce qu'il y a des postes qui sont un peu plus importants chez vous, sur lesquels vous recrutez un peu plus, ou pour lesquels vous avez des besoins, ou au contraire, est-ce qu'il y a d'autres choses qui seront peut-être à plus ou moins moyen ou long terme, des postes, donc animateur, lighter, rigueur, qui vous intéresserait un peu plus, que comment vous voyez les 5 prochaines années chez vous? Ben justement, j'ai vérifié dans ma boule de cristal juste avant notre appel, puis c'est difficile à dire, mais ouais. Je pense que ça va être, on a eu une industrie qui était très généraliste et qui s'est spécialisée. Puis curieusement, aujourd'hui, je vois toujours des spécialisations, mais c'est pertinent de comprendre le domaine des autres, les départements des autres. Fait que je trouve que les départements qui sont un peu plus mixtes, qui vont mélanger différentes techniques, je pense souvent à ce que les compagnies vont faire dans un département d'environnement, ben là, on utilise des compétences qui sont un peu partout dans le pipeline. Puis moi, je trouve ça vraiment intéressant de recruter des gens, des jack-of-all-trades, dans un département d'environnement, puis j'ai l'impression que c'est les premiers départements qui vont s'intéresser aux technologies en temps réel, puis avec des départements de layout prévis, par exemple, je trouve ça intéressant de voir l'évolution qu'il y a dans ce domaine-là, puis justement, comme Robin disait, ben les autodidactes, je pense qu'ils vont vraiment, ils vont sortir du lot dans des départements comme ça qui utilisent une mixité de technologies, de techniques puis de pratiques. Donc plutôt un mélange de capacités et de connaissances qu'une spécialisation vraiment poussée dans un domaine. Ouais, je pense qu'il va y avoir de la place pour les spécialisations, mais c'est juste que quand on veut parler avec d'autres membres de l'équipe, puis aussi simplement pour la peut-être le parcours, la progression d'une personne. Il y a des gens qui ont le goût de devenir lead, qui veulent collaborer avec les autres départements, éventuellement superviseurs. Mais quand on commence à élargir notre horizon puis comprendre ce que les autres départements font, bien, naturellement, on va collaborer puis on va émerger dans les postes de leadership. Fait que ça dépend aussi de l'intention de la personne dans leur évolution de carrière. Dans la formation, moi, je parle souvent des spécialités étendues, c'est-à-dire qui touchent vraiment au domaine connexe. Par exemple, les textures, lighting, puis le modeling qui va quand même comprendre le rigging d'animation parce que ça influence comment le modeling se fait. Donc, c'est vraiment important de dire on n'est pas dans un monde fermé, c'est pas un vase clos. Les spécialités se touchent puis travaillent ensemble, d'où le principe de pipeline.
Mais c'est important de connaître bien les autres. Sur une formation comme nous qui dure 3 ans, on touche pas mal à tout. On essaie de renforcer certaines aptitudes. Moi, j'ai de la difficulté à dire spécialisation parce que je trouve ça prétentieux. Si on peut pas devenir spécialiste en sortant de l'école, mais on peut avoir au moins une saveur, une teinte, mais en restant quand même globalement assez conscient de tout ce qui se passe autour. Et est-ce que vous pensez que justement dans tout ça, Houdini peut être une aide à essayer de développer des capacités qui sont étendues sur différents départements? Est-ce qu'il y a une particularité avec Houdini qui permet en fait de favoriser ça? Je dirais que le Shell est quand même assez performant dans la plupart des zones. C'est sûr, Houdini a d'abord été connu pour ses forces en simulation. Puis, ben, ça s'est étendu. Maintenant, on a le Solaris, puis l'éclairage, toute la structure USD. Puis c'est toutes des choses qui font que ça va devenir de plus en plus. Oui, ça va être, c'est clair, ça va aider là, parce que ça va forcer à travailler avec une certaine structure de pipeline. Puis moi, je trouve ça vraiment excitant pour ça. C'est sûr que il y a encore des choses qu'on fait pas beaucoup dans Houdini, comme l'animation de personnages. Moi, j'ai un projet où, pour la première fois, j'ai eu des étudiants qui se sont aventurés, puis on fait du rigging, puis on a animé des characters. Ça a très bien été, c'est juste que c'est une approche différente. Dans la formation qu'ils ont, première année, c'est dans un autre logiciel que je n'aimerais pas. C'est dans un autre logiciel, puis c'est parce que c'est plus standard dans l'industrie. Mais là, je sais que dans 18 ou 19, on a des choses nouvelles au niveau de Kinefex. Moi, j'ai bien hâte de voir ça parce que si on est dans moins de logiciels, ça permet de connaître un peu plus large. Quand on est dans plein de logiciels différents, c'est un peu plus difficile. Je dirais, nous, on avait une formation dans le temps sur un logiciel qui était fait sur Simage. On a essayé à peu près tout dedans. Les gens, c'était plus facile de connaître parce que le logiciel faisait à peu près tout très bien. Mais bon, malheureusement, ça n'existe plus. Fait que on a changé. Quand on a changé le programme, on est allé vers Houdini. Il y a vraiment plusieurs forces. Puis je voyais vraiment là, qui était tourné vers l'avenir parce que c'est pas un logiciel qui était statique. Puis je pense que à chaque version que je vois, puis les versions, il y en a quand même beaucoup. On voit que il y a un désir puis un intérêt d'aller chercher justement cette facilité-là d'utilisation dans tous les domaines. Puis, on va voir ce que l'avenir va réserver par rapport à ça. Effet, c'est Houdini, mais pour l'instant, ça va vraiment, je pense que c'est vraiment bien parti. Puis, je pense que, comme on disait auparavant, j'ai l'impression qu'on était très, très spécialisé en silo, puis moi, j'aime l'idée un peu plus généraliste. Puis, j'ai connu Softimage avant de travailler dans Houdini, puis ça a été un peu le coup de foot pour moi, puis c'est... Ça a juste été la structure, la façon de penser quand on utilise Houdini qui m'a grandement marqué. Ça a été une transformation. Puis à ce moment-là, je voulais utiliser Houdini peu importe pourquoi. Puis à l'époque, malheureusement ou heureusement, ben la seule façon de justifier une licence en industrie, c'était d'entrer comme FX artist. Donc j'ai commencé comme ça. Puis je me suis rendu compte que je voulais faire plus large que ça. Pas nécessairement d'animation, mais tu sais, de la prévise. Puis on peut devenir définitivement, un bricoleur, un bidouilleur quand on est dans Houdini. On peut aller très, très large avec le software. Comme Robin disait, c'est un package complet. On est capable de tout faire, tu sais. Ça, je trouve ça vraiment intéressant parce que du moment où ce qu'on a un peu d'autonomie puis qu'on comprend les différents systèmes, comment ils parlent entre eux, ben on peut s'amuser à faire l'automatisation de pipeline avec PDG, du retargeting avec Kinefex, par exemple. On peut, on fait le lighting. Moi, je parle, admettons, de mon expérience chez Folks VFX à Montréal. Mais on fait notre lighting, on fait le scene assembly dans Houdini. Même avant Solaris, on utilisait Houdini standard en OBJ, puis ça fonctionne bien, puis on est en mesure de d'étendre Houdini au-delà de son rôle, on va dire, traditionnel, quasiment ancestral des FX. Il y a de la place pour Houdini dans le département d'environnement, entre autres, super utilisé, essentiel, même si on veut
adresser la complexité des mandats qui nous sont assignés, on a besoin d'Houdini dans le pacte. Bon, ben écoutez, merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir participé à tout ça, pour votre temps. Et puis, ben, bonne continuation. À bientôt. Merci Bruno, merci Robin. Merci. Au revoir, bonne journée.